C'est pas possible, hein. Ça va beaucoup moins bien marcher maintenant, alors, hein. Avec cet Electribe, on ne peut pas tondre le gazon. Tiens, il faut que t'évolues un peu, hein. Faut que t'évolues. Ouais. Electribe Blue. Vos gosses vont adorer ça. Ça fait le point? Fais le point! Fais le point, vas-y! Fais le point! Ah bah, ça va beaucoup moins bien marcher maintenant, alors, hein. Merci, trompette rose. Tu as rendu de fiers services. Bienvenue dans la boîte. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on a, mais ça va être génial, comme d'habitude. C'est parti, Jean-Michel! Ok. Electribe, c'est elle! Les Electribe 2, c'est une machine dont on parle pas assez, je trouve, donc j'avais envie de faire un petit zoom dessus. Ça, c'est la version purement synthé, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez un moteur de synthèse PCM qui va vous permettre d'enregistrer jusqu'à 16 parties dans un motif rythmique. Et vous pouvez avoir jusqu'à 250 motifs rythmiques enregistrés à l'intérieur de l'Electribe 2. Je vous fais vite fait un petit tour de l'interface. Vous avez une section oscillateur, un filtre, de quoi faire de la modulation, une enveloppe d'amplitude que vous pouvez aussi utiliser comme enveloppe de filtre, et puis vous avez un effet d'insertion qui est ici. Sur la gauche, on va retrouver ce petit pad ici, et il va nous permettre d'entrer soit des notes avec un arpégiateur, soit d'utiliser l'effet master, qui s'appelle ici Master FX, et on peut mettre tout un tas d'effets sympas sur sa pattern. Son pattern? Sa pattern? Eh, vous allez arrêter avec ça, les gars! C'est pas possible, hein! Ça va? Non, parce qu'en plus, il fallait que ce soit musical. Attends, tu plaisantes ou quoi? On n'est pas sur une chaîne de jardinage. Ah, je croyais. Avec cet Electribe, on ne peut pas tondre le gazon. Je suis désolé, ce n'est pas une chaîne de jardinage. Sortez les jardiniers, sortez! On peut muter les parties. Attention. La performance musicale, c'est aussi essentiellement beaucoup de mouvements, par exemple ce genre de mouvement. Après, vous avez ces pattes qui sont ici, peuvent servir à plein de trucs. Soit vous les utilisez pour déclencher des sons, carrément. Soit vous pouvez aussi les utiliser pour déclencher directement les patterns. Vous pouvez les utiliser en mode clavier. Et puis, vous pouvez régler vos propres gammes. Comme vous avez pu voir ici, j'ai une gamme particulière qui est paramétrée sur les pads. Pour vous montrer comment fonctionne une séquence, il n'y a rien de plus simple. Vous voyez ici, j'ai la grosse caisse, je passe en mode séquenceur, et puis je vais avoir les différents steps qui sont allumés sur ma partie. Si je les allume tous, ça fait ça. Voilà, hein, c'est facile. Ensuite, vous pouvez passer de partie en partie. Là, par exemple, le violet qui est allumé, c'est la partie 09 qui correspond à ma grosse caisse. Je peux aller sur ce bouton qui me permet d'aller sur la partie numéro 10, et là, je suis directement sur la caisse claire. Je repasse en mode trigger, et ça me permet d'écouter le son que je suis en train de paramétrer. En mode séquenceur, je peux aller voir les différentes parties qui sont allumées, et puis en mode keyboard, je peux aller jouer chromatiquement. Et ça, si par exemple, je veux utiliser un son de synthé, c'est beaucoup plus pratique. Je passe par exemple sur ce son ici. Vous voyez, c'est une gamme qui est paramétrée ici. Je peux aller dans le menu. Alors, je peux soit naviguer avec ces flèches ici, mais sinon, en appuyant sur Shift et en appuyant sur les pads, j'ai des raccourcis vers les menus les plus couramment utilisés. J'aime bien l'harmonique mineure. Alors, je vais partir d'une séquence vide. Il y en a plein des séquences vides à la fin, parce que vous avez jusqu'à 250 patterns qui sont pré-réglés dans cet appareil. Là, allez, je vais aller sur 206. 206, c'est bien. C'est la voiture de Jean-Michel. Désolé, il n'y avait pas R16, Jean-Michel. Je sais que t'étais plutôt coincé dans les années 70, mais il faut que t'évolues un peu. Hein. Faut que t'évolues. Ouais. Par défaut, j'ai un motif rythmique qui est paramétré avec de quoi faire de la batterie et puis commencer à paramétrer ma séquence. Je passe en mode séquenceur. Four to the floor. C'est parti. Yeah.
Si le kick me plaît pas, je peux en changer. Je vais sur le menu oscillator. Pour changer les sons, il n'y a vraiment rien de plus facile. Vous tournez et vous avez les catégories en haut. Il y a plein de kicks, plein de snares, etc., etc. Une petite astuce, quand vous maintenez le bouton Shift appuyé, vous pouvez passer de catégorie en catégorie comme ça. Si je veux une caisse claire, je vais sur le pad d'à côté. C'est parti, je repasse en mode séquenceur. Je mets deux caisses claires. Ensuite, je vais mettre... un charlet, c'est bien. Ouais. Je peux enlever ces deux pads-là, repasser en mode trigger, mettre un charlet ouvert, séquenceur. Ok, parfait. C'est intéressant, mais encore plus intéressant, je peux enregistrer les mouvements de potard si j'ai envie. Par exemple, sur ce charlet, vous voyez, il est un peu mécanique. Je vais allumer l'enveloppe d'amplification. Ça, c'est pas mal, je vais l'enregistrer. Record. À l'intérieur de l'Electribe 2, il y a une fonction Groove. Quand vous allez dans le menu, que vous allez sur ce pad, vous voyez, il y a écrit Groove Type. Là, il est en Conga 1, mais si je veux, je peux aller changer ça, par exemple, Oval Groove. Comme ça, ça me fait un groove ovale. J'aime bien les grooves ovaux. Et puis après, je peux régler la profondeur de ce groove ovale. Ça donne un... Toi aussi, tu te sens un peu ovale, Jean-Michel. Je te sens ovale. Je vous ai parlé des batteries, mais on peut aussi évidemment faire de la synthèse. Il y a un gros moteur de synthèse PCM à l'intérieur de l'Electribe 2, donc je vais vous montrer comment ça marche. Si je vais par exemple sur la part 1 et que je passe en mode keyboard, je peux régler le son directement à l'aide de l'oscillateur, un peu comme la grosse caisse tout à l'heure. Et puis de la même manière que sur la grosse caisse, je peux aller choisir mes types de sons en appuyant sur Shift plus oscillateur pour aller comme ça d'un type d'instrument à l'autre. Là, je suis sur les synthés, instruments, vous voyez, piano. Il y a plein d'échantillons hyper marrants que vous pouvez utiliser dans vos productions. Il y a des hits. Puis je peux passer de l'un à l'autre comme ça. Et puis il y en a beaucoup, beaucoup en fait. Hein. Beaucoup, beaucoup. Voice. Ah, j'ai envie de faire un truc avec ça. Attends, maintenant je vais faire de la basse. Regarde, je vais me mettre en partie 2 et puis là, je vais passer en mode keyboard. Je vais me faire un son de basse. Donc là, j'ai pris une onde de base. Je vais la tuner un petit peu pour donner un peu de... Alors déjà, je vais monter un peu son niveau, 127. Ensuite, je vais utiliser l'enveloppe de filtre. Donc je vais baisser le filtre et utiliser ce bouton EG Int qui est là. Et puis, je vais utiliser l'effet d'insertion qui est sur la droite en appuyant dessus et puis en allant choisir, par exemple, un overdrive puis en balançant un petit peu. Oh, yes! J'aime bien. J'enregistre. Un autre son! Voilà, Shift Chord, il me propose un chord set qui est ici. Je peux changer, je peux mettre plein de notes si j'ai envie. Waouh! Super! Je vais prendre ça. Exit. Pourquoi pas, hein? Et j'ai même pas touché à mon son, c'est le son de basse, c'est une forme d'onde d'Ansi, tout ce qu'a de plus Jean-Michel, c'est vraiment, vraiment basique!
C'est bizarre ça. J'aime bien. Ça peut aboyer aussi, comme vous pouvez voir. Tais-toi, Rex. Silence. Couchez. Faudrait que tu sortes le chien, Jean-Michel. Il réclame. Voilà. Une autre. Allez. 207. Je vais changer de tempo. Chiloute un peu, tu vois. Chiloute. Tu dis pas chiloute, toi ? J'aime bien ça. Ça, c'est bien. Des claps. Ça, j'aime bien ça. Oh ! Un truc comme ça, j'aime bien. Avec du swing. %. C'est bien. C'est bien ou pas ? Yes. Du groove. Laid back. Ouais. Ouais, maintenant on va changer. On va mettre une petite basse. Du piano, qu'est-ce que vous en pensez? Shift, tic 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 tic, instrument, keyboard, je vais passer en mode accord. Ça, c'est bien. Ok, et ensuite je peux muter cette partie, voilà. Et je peux aller dans cette partie-là, et puis mettre un petit son de synthé sympa. C'est parti. Ouais, un petit peu de glide. Pas trop. Un petit delay là-dessus, tiens, allez. Ça, c'est bien. Vos gosses vont adorer ça. Et là, je viens de vous brancher l'Electribe Sampler. C'est tout ce que va vous proposer l'Electribe, avec la possibilité en plus d'insérer vos propres échantillons dans vos productions. Écoutez ce que ça peut donner. On a samplé Jean-Michel et il a pris des pastilles pour la toux. Non, c'est vraiment sympa parce que ça vous permet de mettre vos propres échantillons et puis on garde vraiment toutes les fonctionnalités qu'on a sur l'autre Electribe. Alors, je peux pas tout vous montrer dans une seule vidéo parce qu'il y a énormément de fonctions, mais vous voyez par exemple, c'est pas parce qu'on a un motif rythmique de uniquement 64 pas qu'on peut pas chaîner les motifs rythmiques entre eux. On peut non seulement enchaîner plein, on peut utiliser ce qu'on appelle un pattern set ici, c'est-à-dire que quand vous passez en pattern set, vous pouvez associer n'importe quel pattern sur l'un des 16 pads qui sont là et passer de l'une à l'autre très facilement. Et puis ensuite, vous pouvez aussi enregistrer votre perf
à l'aide d'un enregistreur intégré. Mettons que vous êtes en concert, vous faites des trucs, vous enregistrez chaque mouvement de bouton, vous enregistrez chaque changement de pattern, et ensuite vous pouvez le rejouer pour, par exemple, l'enregistrer. Vous pouvez même l'exporter sous forme d'audio ou aussi dans un format Ableton Live. Et je l'ai testé, ça marche bien, regardez. C'est dans Data Utility que ça se passe. Press Enter, Export Pattern. Donc si j'exporte, par exemple, en audio, j'appuie sur Enter, il me propose directement de l'exporter dans divers formats, dont Ableton Live 7, ou sinon en fichier WAV. Enter. Là, ça travaille et ça exporte sur la carte SD qui est sur le côté. Voilà, ça y est, c'est fini. J'ai ma carte SD, je la mets dans mon ordi. Et là, directement, en fait, on se retrouve avec une session complète. Là, vous voyez, il y a les différentes pistes. Donc, c'est super. En fait, on peut emporter l'Electribe Sampler avec soi en voyage, par exemple, en mobilité. On fait ce qu'on a à faire avec les piles, avec un casque, et puis on exporte ça au format Ableton Live, et ensuite on retravaille le tout à la maison pour pouvoir poursuivre sa production. Vraiment une super fonctionnalité. En plus, vous voyez, ce qui est vraiment très très cool, c'est qu'il y a une trappe à piles aussi. Et on peut l'utiliser sur le canapé avec un casque, dans un train, dans un avion, ça prend très très peu de place, ça rentre dans un sac à dos. C'est un outil très fun en fait. Hein. Donc moi j'aime bien, franchement c'est super. Voilà, c'était les Electribe 2. Et avec la rouge, vous pouvez mettre vos propres échantillons. C'est génial, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de m'envoyer des valises pleines de billets. Non, je déconne pour les valises pleines de billets. Quoique si vous voulez, vous pouvez, hein, c'est pas grave. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller dans la description et aller voir, il y a des liens pour acheter ces matériels. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les utiliser. Jean-Michel, il faudrait qu'on écrive cette partie un jour, hein, pour que ça soit plus, tu vois, un peu Michel Druckerisé, quoi. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, n'oubliez pas, la chaîne est sondier. Je fais très mal Michel Drucker. Je peux t'imiter Michel Jonas, si tu veux. Electribe Blue, tu es une Electribe Blue. Plus d'infos sur la chaîne YouTube Les Sondiers, vous pourrez aussi trouver d'autres vidéos sur du matériel home studio en tout genre. Allez voir dans la description, vous avez toutes les infos. Allez, c'est parti.